celle-là. Ah là là, c'est ce qui manquait ça. Et on est là. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vlog numéro 11. Comme je vous ai promis, vlog bien quali cette semaine. On va à Foss, gros déplacement, un peu une vidéo du même type que le vlog 8 à Lasvel. Foss, pour ceux qui savent pas où c'est, bah c'est juste ici. Je filme la veille comme d'hab. Là je vais aller en muscu une heure avant l'entraînement. Ceux qui sont pas abonnés les gars, abonnez-vous. Ceux qui me découvrent maintenant, je vlog toute ma saison sur ma chaîne. Donc abonnez-vous pour pas rater les suivants, likez, commentez, ça fait plaisir. Et on me demandait pourquoi on voyait pas beaucoup Max et Assemian, donc les numéros 5 et 8 que vous voyez dans les matchs. C'est tout simplement parce que eux ils font partie du groupe pro. Donc sur les déplacements, genre, donc là Foss ils seront pas avec nous sur les déplacements, ils font les déplacements avec les pros. Et ils s'entraînent une seule fois par semaine avec nous, sinon ils s'entraînent tout le temps avec les pros. Donc ils sont plus avec le groupe pro qu'avec nous, même s'ils font les matchs. Juste avant de commencer, on va parler chaussures. J'ai déjà dit dans le vlog d'avant, dans le vlog 9, pour ceux qui se souviennent, j'ai pété mes pics, elles ont tenu un long moment. Et en voyant la vidéo, pics, ils m'ont envoyé une deuxième paire de chaussures. C'est grave lourd, première interaction avec une marque sur la chaîne. Donc c'est incroyable, je suis trop content. Donc voilà, mes nouvelles chaussures de basket, il fallait que je m'en rachète, du coup ça tombe pile au bon moment. Elles sont grave fraîches, franchement je les kiffe de ouf. Du coup voilà, merci à eux, merci à Pic France de m'avoir envoyé la paire. Les dernières étaient méga confort, donc je pense que ça va être pareil sur celle-ci. Je vous dirai après les avoir testés pendant quelques semaines d'entraînement. Puis voilà, reprise du vlog. Bon bah y'a Reggie qui vient de muscu aussi. Salut, ça va? Reggie a fait sa petite sieste dans l'après-midi, il est en forme? Pas trop. Ah bon? T'as encore mal à lâcher? Oui j'ai encore mal. Il est là? Putain mais il n'a pas besoin de sonner aujourd'hui. Ça? Alors, rien de vlog normal, pas de prise de tête. Ah vrai. Ouais. Les gars, il connaît tous mes couplets. Ah ouais. Il connaît tous mes couplets. Ah ouais. Ha. Attends. Ça va lui. Attends. Il recommence. Non, lui d'abord. Mais tu peux pas. Allez, débute Luc. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Ça va, Luc? Ça va, toi, tranquille? Ça va bien. Vas-y, ça recommence. Bon, ouais, mais attention. Mais je t'en pousse, il y a la caméra pour taper. Attends. J'ai démonté avant. T'as Bilal. Ah, ils vont gagner. Non, attends, vous leur dites. Je vais leur dire la star du vlog, elle joue pas. Je vais leur expliquer. Ah, oui, c'est vrai, putain. Il y a deux stars qui jouent pas, on est, voilà. On va gagner quand même. Voici notre salle de muscu incroyable. meilleure salle. Ça, Dorian? Eh si, c'est bon. Attends, je check, check la caméra. Voilà. On va essayer de faire ça bien avant le match de demain et puis voilà. Alors, on va tout faire. On vient de finir la musculation. Je crois qu'ils ont capté là, c'est bon. Capté là, c'est bon. Bon, viens, on y va. Bon, on a un peu plus d'une demi-heure avant l'entraînement. On va à Franprix et on revient. Je fais exprès de vous laisser une demi-heure. Pourquoi t'as acheté un regard aux petits comme ça? Les petits, ils aiment trop regarder en mode, ils sont trop indiscrets et tout. Non, maintenant, dès qu'il y a un petit qui va me regarder, on va se regarder droit dans les yeux, tu vois, comme ça. Et s'il persiste, tu vois, je dis, hey, tu veux quoi? Tu vas les traumatiser, les pauvres. Regarde. Tu vas acheter quoi là? Tu partages un peu? Gros rat. Ah, je rigole. J'ai pas faim, garde pour toi. T'es sûr? Ouais, t'inquiète. Non, je me suis gavé avant de venir. C'est quoi? C'est de la smart, qui c'est que de la smart. C'est correct, c'est correct. Bien sûr, ah, c'est carré, ça a la grosse veste là. Adèle, non, c'est bon, c'est Adèle, il est pas là. Ah là là, c'est ce qui manquait ça. Moi je suis dingue, je suis malade là. Non, là-bas ce soir, c'est sûr. Ah non, il est malade. Il est malade, c'est bon. Ok, la Canada, plus. Ouais. Wow. Vas-y, gros. Allez, on sort.
Full black car. C'est bon, tu m'as eu, tu m'as eu. Tu m'as On est combien, on est combien demain à jouer? On est combien à jouer? Non mais on est combien? On est 9. Il y a beaucoup de blessés, dont un derrière nous. Max il joue pas, on dira pas pourquoi. Il a eu des soucis. Ouais. Et Bilal il joue pas. Et Adel il joue pas. Donc voilà. Là le secteur extérieur il est. Il est amoindri là. On va bien dormir. Et on se retrouve à demain. Bon, je viens de me lever, il est 5h50 et on doit partir à 6h20. On a rendez-vous à 7h15 à la gare de Lyon. Et voilà, oh, c'est dur. C'est parti. Alright, on est bien arrivé à Marseille et puis là on va se diriger vers Foss. Voilà, on a fait 3 heures de train et on est là. Quel trou du cul. Moi, je suis arrivé encore. Là comme d'hab sur les déplacements on va manger à l'hôtel des pros puis après on va à la salle. C'est pas mal. Qui ? Sors ! Sors ! C'est ma place, bouge. Je rigole, mais je rigole pas. Ça y est, je veux. Je vais te faire chier, hein. C'est bon. Voilà. Un 2005 qui prend la place, hein. Je suis un 2004 déjà. Pareil. T'as l'embarras du choix, là, pour la place. Choisis pour moi ? Là-bas. Ok, j'y vais là-bas. Ça va bien loin là-bas. Ça va bien loin là-bas, tout le monde. On va manger! C'est bien beau là! Ça change de Paris hein! La bande de putes! Comment ça, bande de putes? Putain, franchement, je dirais que t'as un petit peu. C'est pas parce que t'es chez toi ici que ça va être fini. Excuse-moi, Eric. C'est pas la fête. Pardon. Hein? Il est digestif. On a bien mangé. Moment de détente avant le match. C'est fini, ça fait des TikTok. N'importe quoi, tu la ville. Emery, prépare-toi à faire la transition. On arrive, on rentre dans le match.
on a le train dans une demi-heure. Parle à mes viewers. Moi je dis quoi moi? Que tu veux. Ça va les gars? Vous allez bien? On avait pratiquement la moitié de l'équipe en moins. Ouais. Merde, putain, les gars qui scorent un peu d'habitude, bah c'était eux qui étaient pas là, donc compliqué hein. Mais bon, compliqué encore, on s'est encore mis dans une situation bizarre un peu et quatrième défaite de suite, ça fait chier là. On a 8-4. Enfin, c'est la vie d'une équipe de perdre, de gagner, on peut pas tout gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, et là on est perdu à Marseille. Enfin, perdu. On est à Marseille. Marseille! À Marseille! Hein? Là on est perdu là. On est bien arrivé dans le TGV. On rentre sur Paris. À très grande vitesse. Attention, pas petite vitesse. Pas petite vitesse. Pas vitesse moyenne. Grande vitesse. Ils sont en train de regarder le vlog 10 là. Arrête-moi. Regarde tous mon vlog là. Bande de suceurs de merde. Je rigole. Calme-toi. Donc les gars, on est bien arrivés. J'ai bien dormi. Je suis arrivé hier vers minuit. J'étais complètement mort. Du coup, je suis arrivé. Bah, je me suis endormi directement. J'ai déjà dit ce que je pensais du match avec Eric. Il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire de réagir aux stats personnelles des gars sur les matchs. On perd le match en équipe, donc je vais pas m'amuser en vidéo à juger les prestations des gars au niveau des stats. Par contre, ce que je peux faire, c'est réagir aux miennes. Donc voilà, j'ai ça sous les yeux. Donc, 25 minutes, 5 points. Je fais 2 sur 10 au tir. 0 sur 4 à 3 points, 2 sur 6 à 2 points. Faut que je sois plus agressif. Et que j'arrête, je pense, de me concentrer juste sur mon tir. À force de me focaliser que là-dessus dans mon jeu, bah, je suis pas forcément en réussite. Les tirs, ça viendra après. Après, il y a les tirs ouverts qu'il faut prendre. Et puis voilà, mais faut que je sois agressif dans un premier temps. Donc je fais 1 sur 4 au lancer. À l'entraînement, je fais des grosses séries au lancer. Mais en match, bah, c'est pas pareil. Faut que je sois plus fort mentalement pour pouvoir faire la même chose. Donc après 4 rebonds, c'est plutôt correct. Une passe, 2 comptes, une interception, 2 ballons perdu sur ça, je suis pas. Je pense que c'est l'agressivité encore, hein. Je suis pas assez dur. Faut que je sois plus agressif dans mon jeu en général. Zéro faute, bah c'est toujours la même chose. Hein. Si je suis agressif dans mon jeu en attaque comme en défense, en 25 minutes, je suis censé faire au moins une ou deux fautes. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais de mes stats, de ma prestation sur le match. Après, on perd le match, que je mette 5 ou 20 points sur le match. Ça change rien, on perd. Moi, je préfère faire un match comme ça et gagner le match que mettre mes 20 points et perdre, tout simplement. Donc ça fait chier, il faut qu'on se reprenne. On reçoit Pau vendredi prochain. Sur ce, fin de vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés si vous voulez pas rater toutes les prochaines vidéos. Likez, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je lis tous les commentaires sur toutes les vidéos. Donc si vous voulez commenter, allez-y. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, à plus.